pas hésiter à faire ça couler à même. Like vidéo, abonner à la chaîne là et en plus de ça, activer petit cloche notification, y a une façon pour pas rater puis une nouvelle vidéo qui n'a pas lagué. Eh bien, let's go. Cristiano Ronaldo élu 5 fois déjà comme meilleur joueur dans le monde. Et durant toute carrière, le star portugais a vécu un niveau de vie qui est très élevé. Si le portugais a toujours fait un pile gros bagaille lorsque les gars ont ballon en pile sur un terrain, eh bien, nous avons fait acheter gros bagaille luxe qui cher, mais ça n'a pas joué du tout. Si tout le monde a dépensé l'argent, nous avons acheté gros bagaille qui coûtait un pile l'argent pour faire tête plaisir. Avant de découvrir tout gros bagaille, ça y est, je vous dis bonjour ou bien bonsoir, famille, amis, frère Maxime, dépendamment de l'heure de la vidéo. Dans la vidéo ça pour aujourd'hui, vous pouvez suivre avec tout gros achat qui est plus cher que chaque portugais a fait. Si vous faites découvrir la chaîne là ou bien si vous pouvez abonner à la chaîne là et que vous hésitez à faire ça dans commencer la vidéo, je vais faire ça couler à même. Je vais faire ça pour rater pièce nouvelle vidéo qui n'a pas lagué pour. Si vous êtes abonné, je vous merci et je vous de continuer à supporter le travail là. Dans like et partager chaque nouvelle vidéo qui nous lagué pour. Je vais faire pour plus de capable de garder la vidéo. Je vous dis déjà merci pour le support. Et bien, on va regarder ensemble comment Star Portugais a fait tout gros achat ça qui coûte un pile l'argent. Cristiano Ronaldo fête dans la ville ça qui est le Funchal qui trouvait dans une île qui est le Madère dans le pays Portugal le 5 février 1985. Lycée deuxième petit de jardinier ça qui est le José Diniz Pereira Aveiro et cuisinier ça qui est le Maria Dolores dos Santos Aveiro. Il était passé une grande partie dans la ville et a football dans l'arrière avec Zamilio. En plus de ça, Cristiano était seulement 11 ans. Mais Zamilio c'était un monde qui était dans 16, 17 et 18 ans. Mais ça n'a pas empêché que Cristiano te kon joué avec eux, malgré belle différence qui gagne entre la joue. Eh bien, c'est raison ça ak en pile l'autre qui fait nous venir. Jodi a CR7, yon nan footballer qui est riche en mode là. Lamborghini Aventador. C'est un parmi gros bagages chers que chaque Portugais a gagné dans la collection voiture. Puis machine ça a évalué à environ 800 000 dollars. Qui a un moteur V12 de 765 chevaux qui a parcouru entre 0 à 100 km dans seulement 2,9 secondes. A rappeler que la transmission machine ça a gagné 7 vitesses automatiques qui marchent sur tous les 4 roues. Machine ça a gagné dans le tout un dispositif de sécurité qui est un système aérodynamique qui là pour réduire tout risque qui lié à déboulonnage et puis qui augmente l'adhérence machine ça tout. Une voiture de marque Bugatti. Cristiano Ronaldo l'autre fois a investi dans voiture luxueuse. Modèle machine ça Cristiano Ronaldo a acheté c'est une marque française qui est le Bugatti qui coûte 11 millions d'euros. Machine ça a gagné là-dedans, un moteur 8.0 avec 16 soupapes. 4 turbos qui générait 1500 chevaux, qui a allé de 0 à 100 km par heure, non seulement 2,5 secondes. Koenigsegg CCXR. Koenigsegg CCXR, là, c'est un modèle voiture sportive de marque suédoise qui est le Koenigsegg. Compagnie ça a créé un modèle CCXR, là, un objectif pour être capable de répondre à règlement voiture de luxe américain. Et puis, avec exigence que marché a fait. Eh bien, CCXR là fait un pile succès. Parce que c'est la troisième machine qui est plus rapide dans le monde. Côté que les gars ont moteur 4.8 V8 avec 1100 cavaliers, Marc Cristiano Ronaldo a calé dans une vitesse de 0 à 100 km dans seulement 2.9 secondes. Et puis, il coûte environ 1.2 million de dollars. Yon jet privé. Jet ça c'est un Gulfstream C650 qui coûte Cristiano Ronaldo environ 40 millions de dollars. Quand Juventus Turin a toujours opté pour G650 liens lorsqu'elle a fait voyage qui loin. Un jet ça capable de transporter jusqu'à 18 passagers en même temps. C'est un jet privé qui est plus rapide, qui est capable d'atteindre une vitesse maximale de 1450 km par heure. Jet ça a gagné là dans tout. 6 cabanes confortables en cas de voyage longue distance. En plus de ça, Jetsa a une technologie moderne qui enrage là-dedans. Avec un système sonore qui est bien équipé, moniteur individuel et table automatique.
yon maison dans la ville Manchester qui relè Alderley Edge. Durant carrière brillant portugais dans Manchester United, Cristiano Ronaldo t'a vive dans Kaisa. Mais dans moment ça n'a parlé avec ou là, maison ça li en vente. Prix qui ça a demandé pour le vendre li, c'est 3.25 millions de dollars. Li équipé ak divers luxe, tant kou, piscine intérieure, jacuzzi, gym, salle cinéma ak 5 chambres. N'a pas bloqué chaque chambre sa yo gagne 2 closets. Yo maison à Madrid. Maison ça te coûte portugais à 7 millions de dollars avec une superficie de 600 mètres carrés qui gagne 7 chambres, 2 piscines et jusqu'à 8 salles de bain. Yo appartement à New York. Si ça noté acheté une propriété millionnaire dans la ville qui est New York qui trouve aux États-Unis, selon sa journal New York Post a rapporté, appartement luxueux ça a coûté portugais à 18.5 millions de dollars. Avec une vue sur Central Park et qui occupe un espace de 2500 m2. Yon île dans le pays la Grèce. Cristiano Ronaldo a acheté une île dans le pays la Grèce pour 50 millions d'euros. Eh bien, il a décidé de faire Jorge Mendes Cardo Hills, qui est agent lui. Donc en 2016, lorsque Jorge Mendes a marié, côté que Cristiano Ronaldo était parrain de mariage, donc, il a décidé pour le capable de faire Jorge Mendes Cardo Hills, j'aime te dire d'avant, qui coûte 50 millions d'euros. Yon mot Herblo M09. Parmi les grands joueurs de football à pas de jam connaît, eh bien, dans n'importe événement ou bien rendez-vous portugais à parler, il toujours yon belle montre dans qui vaut plus que yon simple bijou que yon moun mette dans mel pour garder le. Dans photo ça n'a pas gardé là, à côté que Cristiano, à côté madame Georgina Woodgess, c'est un set gen dans mel yon Herblo M09, qui c'est une version titanium qui gen diamant qui constitue li. Eh bien, montre ça a coûté environ 190 000 dollars. Yon mot Jacob & Co Green Baguette. Dans le cadre d'une campagne publicitaire pour Max Akiele Jacob & Co, qui est une entreprise bijoux de luxe qui est située à New York, côté que Cristiano c'était ambassadeur Montsa. Eh bien, par la suite, on a d'autres après le montrer un nom Montsa qui est Jacob & Co Green Baguette là, qui fait presque entièrement avec l'or blanche, qui couvre avec diamant, qui est entreprise à te fabriquer seulement 6 grains. Quantité l'argent monte ça a coûté capable de transmettre seulement à moun qui intéressé acheter bijoux. Mais yo estime que quantité normale pour une pierre précieuse qu'on ça t'a coûté c'est à presque 1 million de dollars. Cristiano Ronaldo te fait connait que li choisi faire publicité pour Mac Montsa, c'est parce qu'il estime que Montsa li correspond avec style de vie. Yon Rolex GMT. Même si il y a un pile gros Mac Mont qui chez un pile, mais pas gagne un ladder qui ka comparé avec Maxa qui est le Rolex GMT Master Diamond. Montsa a fait tout avec or blanc 18 carats qui couvre ainsi avec diamant, côté que Montsa a considéré comme une montre qui plus cher dans monde là, qui t'a coûté à peu près 2 millions de dollars, mais qui lui a coûté 2.4 millions de dollars. Cristiano a dépensé 27 000 euros dans 15 minutes. En 2016, Cristiano te parle pour la première fois dans une photo avec modèle ça qui c'est Georgina Rodriguez, qui à l'époque relation potco public. Un an après, il te décide de mettre relation publique. Ça veut dire en 2017. Eh bien, afin que pour officialiser relation et montrer que c'est une relation sérieuse, en 2018, Cristiano Ronaldo proposé à Georgina Rodriguez un engagement. Demande ça a été fait dans un restaurant de luxe qui est le Zela qui trouvait à Londres. Eh bien, pour commémorer le moment ça, Cristiano Ronaldo te dépensé 27 000 euros dans seulement 15 minutes. Donc, dans qui ça exactement Cristiano te dépensé tout comme ça? Il te commandé deux bouteilles de meilleur vin qui gagne dans bar restaurant, selon ça un journal anglais rapporté. Il te commandé un Pomo Petrus de 1982 qui coûtait 9 000 euros, à qui un autre qui est le Wishbook Grand Cru, côté que chaque bouteille ça a coûté 18 000 dollars. Eh bien, selon même journal ça, après seulement 15 minutes que Mounio te rete dans le local là, yo te sorti sans que yo pat même fini deuxième bouteille là même. Eh bien, nous venons dans faire vidéo là. M'a dit merci parce que regardez vidéo jusqu'à la fin. Si pourquoi abonner à la chaîne là, fais ça couler à même.
yon façon pour capable toujours joindre nouvelle vidéo que nous la gueu. Like vidéo a, yon façon pour capable supporter nous et en plus de ça, partagez-le tout côté. Eh bien, nous disons à la prochaine dans une nouvelle vidéo.